Bonjour, nous sommes avec Elisabeth Racine. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Donc, vous représentez Cap Digital et vous allez nous parler de la journée expérimente de l'Open World Forum. En quoi consiste-t-elle ? C'est une journée grand public, donc qui est à destination de tout public, des personnes qui aiment les nouvelles technologies, les gens qui les connaissent plus ou moins bien. Et l'idée, c'est de venir découvrir des projets, des réalisations innovantes de la part des entreprises du secteur, des gens qui travaillent sur l'open source, que ce soit logiciel, mais aussi matériel. Vous avez des exemples, par exemple, de choses qu'on va voir ce jour-là ? On a plusieurs choses, on a notamment des œuvres d'art, on a des projets d'artistes internationaux comme Evan Roth et Aram Bartol avec un projet de clés USB qui sont branchées dans des murs. Il va nous parler de ça lors d'une conférence le matin. On aura également donc des ateliers où on pourra nous-mêmes souder des objets pour être vraiment dans la thématique do it yourself et commencer à comprendre comment nous-mêmes on peut encore fabriquer des objets. Donc on peut fabriquer de la technologie par nous-mêmes. Bien sûr, et c'est tout l'objectif de cette journée. Très bien, et Cap Digital donc, était organisateur depuis le début, co-organisateur de cet événement. Aujourd'hui, cette année, vous êtes concentré sur cette journée. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, on est reparti de notre expérience de Futur en scène, puisqu'on a organisé un grand festival autour de la vie et des contenus numériques en Ile-de-France en juin cette année, en 2011, où on a eu plus de 80 000 visiteurs sur différents sites partout en Ile-de-France, avec des expérimentations, des conférences, un grand village de l'innovation en 104. Et donc, on voulait réitérer l'expérience et réutiliser notre savoir-faire dans la matière et mettre en avant cette fois-ci l'open source. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur cette journée ? Directement sur le site de l'Open World Forum. Donc www.openworldforum.org. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.